L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, incapable de marcher, a déclaré samedi le président Emmerson Mnangagwa. L'ancien dirigeant, âgé de 94 ans, suit un traitement dans un hôpital de Singapour, a-t-il ajouté. D'après un message reçu hier soir, il se sentait mieux et devrait arriver le 30 novembre. Même s'il est incapable de marcher, nous continuerons à prendre soin de lui. Mnangagwa a déclaré que Robert Mugabe, qui l'a qualifié de père fondateur du Zimbabwe libre, aurait dû rentrer dans le pays fin octobre. Nul n'était la maladie. Il est le père fondateur du Zimbabwe. Il est notre père fondateur du Zimbabwe libre. Mnangagwa a succédé à Robert Mugabe il y a un an. Ce dernier a été contraint de démissionner après 37 ans de règne. Depuis sa démission, Robert Mugabe vit une retraite dorée dans sa luxueuse résidence de Blue Roof, à Harare, la capitale. Ses apparitions publiques sont devenues rares.